N'ayons pas peur des mots, des cossards, des flemmards, des mollassons, et même des tirs au flanc, qui ne connaissent même pas leur texte. Vous imaginez, c'est une véritable catastrophe. Alors, ils vont faire de leur mieux, ces losers. Mais je ne vous garantis rien. Vraiment rien. C'est bon, la Martin, t'as ton numéro ? Mais ça n'a pas un numéro, c'est la vérité. Je suis en train d'informer ces braves gens de la médiocrité du spectacle qu'ils vont voir. Je suis honnête, c'est tout. Il faut bien que quelqu'un ait le courage de dire qu'ils n'en auront pas pour leur argent. T'inquiète, ils en auront largement pour leur argent, puisqu'ils n'ont rien payé du tout. Mais vous ne me l'aviez pas dit. En même temps, tu n'auras pas demandé. Bon, bref. Tu es au courant que tu t'adresses à la famille et aux amis des sujets que tu es en train de casser? Ah, mais parce qu'en plus, vous êtes de la famille. Oui, c'est que ça complique. Et en plus, il ne fait même pas exprès. C'est naturel chez lui. Voilà, reprenons l'idée. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus assister à l'adaptation théâtrale du célèbre conte Alice au Pays des Merveilles, devenue Alice à la recherche du bonheur. Vous allez voir de jeunes comédiens, très méritants, qui vont interpréter leur texte de façon magistrale, en anglais, en italien et bien entendu... En français, mais de façon magistrale, ça... Bon, on va y aller avec les spectateurs tout à fait. Mesdames, messieurs, place un spectacle époustouflant. Époustouflant de nullité. Spectacle incroyable, magnifique, exceptionnel. Minable, mauvais, lamentable. Heureusement que le roi sera là pour relever le niveau. Alice, une belle jeune fille blonde aux yeux clairs, au regard étincelant.